Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Compta 2018 sur ce qui concerne la déclaration de TVA. Alors, on va la voir dans un premier temps par rapport donc aux sociétés de négoce. Hein. Donc là, on va parler de déclaration de TVA au débit et nous verrons ensuite un second tutoriel pour les sociétés qui sont en prestation de services où là, on parlera de déclaration de TVA aux encaissements. Alors, la première chose qu'il faut faire par rapport donc à la déclaration de TVA, que l'on soit d'ailleurs au débit ou aux encaissements, c'est de bien indiquer les informations par rapport aux informations sociétés. Donc là déjà, il faut absolument revenir dans le menu paramètres. Voilà, donc on va ici dans informations sociétés et dans informations